Et salut à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 16 avec les États pontificaux. Aujourd'hui, la guerre contre l'Empire ottoman. L'Empire ottoman ayant refusé le call to arms de la France, j'imagine, se retrouve seul face à nous et notre allié autrichien. Donc ça va nous permettre d'utiliser le casus belli reconquête, notamment de Vidine. On va y aller. On déclare la guerre. On y go. On envoie nos armées. Bataille navale d'entrée. Je vois pas les Ottomans sortir pour empêcher la bataille navale. Ok. Leur flotte a carrément rejoint la nôtre. Là, c'est grosse bataille navale. Faudrait que les Byzantins viennent nous aider. Il y a l'autre flotte ottomane qui est en train d'arriver, on peut pas se permettre le combat. Que va tenter l'ottoman avec ses 30 000 hommes là qui arrivent? Nous on va rush down Constantinople derrière, du coup, hop. Je vais personnellement rapidement foutre mes hommes. Oula. Partout. De toute façon, il va probablement fuir l'Ottoman. Ce serait le plus logique à faire pour lui. Vu qu'il ne peut pas gagner en fait. Il est fou. On va le laisser croire en sa chance. Il est fou l'Ottoman. Il est complètement fou. C'est un stack. Ah, c'est pas un stack wipe! À quoi ça s'est joué, le non stack wipe là? Sincèrement. Qu'est-ce qui a joué en faveur du non-stack wipe ici? Qu'est-ce qui a sauvé le stack ottoman dans cette bataille-là? Je ne saurais dire. Je ne saurais expliquer ce qui a pu sauver le stack ottoman ici. Je prends en fait rapidement toutes les provinces autour des provinces autrichiennes parce qu'il a potentiellement tendance à vouloir les revendiquer. Ce qu'il faut pas. Une fois que j'aurai récupéré tout ça, après c'est bon, ça ira tout seul. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux pour lui être serein dans ce qu'il va faire, puisque là, moi, bien joué la prise de Constantinople. On va immédiatement écraser la flotte ici. Là, voilà, faut qu'il prenne une décision. Soit il nous bloque, soit il nous bloque pas, mais c'est forcément, il doit forcément prendre une décision. Là, il me faudrait l'aide de la flotte byzantine. Parce que 33 galères, il en a plus que nous. Il faudrait l'aide de toutes les flottes. Si toutes les flottes viennent, on peut gagner. Ça, c'est Byzance. Ça, c'est Byzance. Ça, c'est Bulgarie. 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 Et Bulgarie.
Normalement, il devrait pouvoir aller les combattre. 30 000 ottomans. De toute façon, désormais, quoi qu'il arrive, moi... Ah, Naples, qu'est-ce que je peux ajouter à Naples? Ça produit du grain. Plutôt militaire, alors. Allez-y, les Autrichiens, bougez-vous le cul, là. Byzance, t'as pas envie d'aller combattre la flotte ottomane, là-bas? J'ai plus de bateaux que lui. Quels sont mes... Est-ce que j'ai des bateaux gravement endommagés? Ouais. Une galère. Et lui? Il y en a quelques-uns qui sont vraiment mal en point. C'est lui qui voulait, qui comptait venir, mais finalement il compte plus venir. Et que j'ai fait une erreur, je pensais qu'ils allaient revenir. Parce qu'ils tenaient l'impression de vouloir le faire, mais ils ont pas fait. J'ai le moyen de verser des compensations aux bourgeois. Il a mis trop de temps. Malgré mon moral pourri, on peut traverser là. Allez-y, dépêchez-vous. Voilà, c'est bon. On est passé. Ah, est-ce que nous sommes pape? Oui. Je peux pas choisir une autre... Ok. Coût de développement, tolérance envers le paganisme. On va faire le coût du développement. Le reste, on s'en fout. L'erreur des Ottomans. Je sais pas où est passée leur grosse flotte, mais ils ont fait une erreur. En la déplaçant. Ils ont fait une énorme erreur. Maintenant, on a pris le contrôle de l'autre côté. Par contre, ils sont trop cons parce que du coup, ils viennent d'abandonner Vienne. Mais bon. C'est bien l'IA, ça. Hein. Il a 29 000 hommes qui attendent à côté de Vienne. Ça sert plus à rien maintenant, votre flotte arrive beaucoup trop tard. On a déjà avancé dans vos terres. Ils osent pas s'attaquer l'un l'autre, ils sont vraiment étranges. 37 000 ottomans, on ne tape pas les 29 000 autrichiens. Bon. Ça va être une guerre de siège, pendant que nous on fait la guerre de siège de l'autre côté. C'est quoi ça, Soran, ça sort d'où? Ah c'est ça. Ce truc là, qui est un vassal de l'Empire ottoman, ok. Ah oui, l'ottoman a envahi là-bas, là-haut. Je ne sais pas comment. Puisque la Crimée n'est pas alliée à lui-même.
Ça doit venir du fait que la Crimée a refusé la vassalisation ottomane et donc il a eu un casus belli, il lui a déclaré la guerre. Parce que de toute façon, il pouvait pas avancer en Europe. Alors. Ah ouais, il a fait spawn beaucoup d'hommes là. Il y a quand même 50 000 hommes qui se baladent là. Ça fait beaucoup. On va se rapprocher là-bas. Convoquons le concile. Le concile de Trente. Moi, je me mets en position intransigeante. Pouvoir faire des choses contre le concile de Trent, ils vont arriver à beaucoup quand même. Ils sont tech combien? Ils sont tech aussi hautes que nous. Qui vont probablement nous battre ici. Quoique, on a pas mal de morale. On a pas mal de morale. Mon moral est en train de faire la différence pour le moment. Mais ils sont beaucoup plus que moi. Donc malheureusement, on va devoir reculer. On va devoir reculer. C'est pas grave. Bon, faudrait peut-être que l'Autriche ramène son popotin ici. Au lieu d'aller faire je ne sais quoi de l'autre côté du monde là-bas. Allez, on s'en fout. On passe toutes les réformes du concile de Trente intransigeante parce qu'on est intransigeant. Et puis voilà, c'est tout. On fait ce qu'on veut. Ça me l'a papoté. Par contre, j'aimerais bien savoir combien il a recruté de mercenaires l'autre. Non, non, il a juste fait spawn des milliards d'hommes en manpower tout court. Ok. Par contre, faudrait aider à récupérer Constantinople, quoi. Ce serait cool. Vraiment. Sinon, on va galérer là. Les mecs, ils ont des flottes, elles servent à rien, sans déconner. Qu'est-ce qu'ils foutent? Il y a 58 000 guignols là qui essayent de prendre. Non, mais je préfère perdre de l'inflation là, franchement. Trop cons les IA. C'est vraiment trop con quoi. On va nous faire chier là, aller assiéger des provinces de merde à l'autre bout du monde.
J'ai pas dit que ce serait plus intelligent d'attaquer l'ottoman là. Là, qu'est-ce qu'il va faire? S'il essaie de traverser. Non, il va essayer juste de libérer. Ok. Ok, ok. Hop. Sinon l'Autriche, au lieu de faire de la merde là, t'es décidé. Oh putain. Allez, bougez-vous. Heureusement que j'ai un moral. L'Autriche ? L'Autriche ! Qui refuse ! Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, les IA, dans ce jeu? Mais c'est n'importe quoi! L'Autriche, elle a refusé de venir aider! Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, les IA! Fini à la pisse! On peut rien y faire, en plus. Là, allez, le stack wipe, c'est parti encore. Et hop. Putain de jeu codé par des enculés, c'est incroyable, ça! Oh, l'IA, ils sont autistes. C'est n'importe quoi. Et encore, c'est une insulte pour l'autisme. Au moins, l'autiste, il est focus dans ce qu'il fait. L'IA, il pige rien à ce qu'il fait. Il fait, c'est au pif, c'est au hasard. L'IA, il joue au hasard, en fait. On va prendre ça. Le pape peut devenir général. Là, la guerre, on l'a perdue, par contre. On a les moyens d'avoir 8 milliards de fois plus d'hommes qu'eux. Hein ? Que fait l'Autriche ? Elle mange de la colle. Et donc, on va perdre la guerre. Parce que... Comment expliquer ça simplement ? Parce qu'il y a des gens dans les développeurs de Paradox Interactive qui trouvent intelligent de faire en sorte que l'IA soit nulle avec vous et forte contre vous. Enfin, clairement, moi je vois... Perso, moi je vois que ça. Comme logique derrière ce qui est en train de se passer. Regardez, il a qu'une chose à faire, ce mongolien, au lieu d'aller assiéger tout l'Empire Ottoman, c'est se coller à moi pour qu'on aille stack web ses armées une par une. Non, non. Lui, ce qu'il veut, c'est aller assiéger. Non, pas s'unir pour gagner la guerre. Non, non, assiéger. Il faut siege. Il faut siege tout. La planète. Voilà pourquoi l'IA est débile dans ce jeu. Ils ont qu'une chose à faire. Une seule. Là, ils ont une seule chose à faire. Ils collent leur putain d'armée à la mienne et on gagne la guerre. Non. Non, non, faut qu'il aille assiéger. Faut qu'il aille assiéger toute la planète. C'est la chose la plus importante à faire. Là, c'est la chose la plus importante. Il est en mission, là. Il est en mission, l'IA. Il faut qu'il assiège. Il faut qu'il aille assiéger la planète. Il est en mission. C'est mission commando, là. Il faut qu'il assiège. Vite, 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 vite. Il faut que j'aille assiéger. Faut que j'aille vite à Damas, là-bas. Vite, vite, vite. Il faut que j'aille assiéger Damas. Vite. Parce que comme ça, on perd la guerre plus vite. Hein, c'est vraiment utile d'aller assiéger Damas. Hein. Non, mais ça, c'est l'IA Paradox. C'est l'IA Paradox depuis 5 à 6 patchs. C'est l'IA. Elle réfléchit pas en gagner la guerre, l'IA, elle réfléchit en assiéger. Plus vite j'assiège, plus vite j'ai gagné. Voilà comment réfléchit l'IA d'Europa Universalis. En vrai, je m'en tape, je peux prendre 3 tonnes d'emprunt. De toute façon, je gagne un bloc d'argent. On va recruter des mercenaires, parce que sinon on va perdre la guerre, vu comme c'est parti.
Oh putain, il coûte cher un entretien, bordel. Ils sont pas tant que ça. Alors. La campagne suisse. Et la garde suisse. Oui, évidemment. Heureusement que j'ai un moral complètement pété quand même. Je vais attacher la garde suisse à la compagnie suisse. Regardez, l'IA m'esquive, il veut même pas s'attacher à mon armée. Et le problème, c'est que contre ça, je ne peux rien faire. L'IA ne veut pas jouer, il veut pas combattre. Je peux rien faire contre ça. Je touche mon armée à l'armée en haut. Ah non, c'est pas la bonne. Est-ce que vous allez décider de les attaquer au bout d'un moment ou pas du tout, en fait? C'est vraiment une question importante que je me pose. Est-ce qu'ils vont décider au bout d'un moment d'aller combattre ou pas du tout? Moi, je vais essayer d'aller mettre la pression là-bas. Parce que l'autre, de toute façon, là, il est en train de faire le siège. Au lieu de se barrer à chaque fois, là. Vous dites pas qu'on peut l'attaquer, le battre, en fait? Vous dites pas qu'on peut l'attaquer, le battre? Au lieu de courir partout dans le monde? C'est ça qui me rend fou dans ce jeu aussi. La capacité de l'IA à faire n'importe quoi. Ils se baladent, même eux, ils savent pas où ils vont. Quelle espèce de zgègre. Je pense pas qu'on puisse le battre, quoique. Ça dépendra beaucoup de notre morale et du leur. Non, on pourra pas le battre. Paradoxe, ce qui est en train de se passer, c'est normal. Mais oui. Si j'arrive à obtenir une paix blanche, franchement, là, je suis bien loti. Il fait quoi l'autre là?
Ça y est, vous avez décidé de sortir vos gros culs, votre flotte de merde là? En vrai, on gagne quand même pas mal d'argent. Est-ce que je peux recruter une autre compagnie de mercenaires? Non, je n'ai pas spécialement les moyens. 1200 pour celle-là. Représente beaucoup de personnes quand même. Le pire, c'est qu'on n'a pas encore complètement perdu là, mais il faudrait que l'IA soit intelligente dans la manière dont elle fait la guerre. La nôtre, hein, pas la leur. En fait, à chaque fois qu'ils vont laisser une flotte comme ça, moi je vais aller la stack. Hein. De toute façon, il n'y a que ça à foutre. Ta 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 ta. On va constituer un réseau d'espionnage dans l'Empire Ottoman en espérant que ça nous aide, mais bon. Ça empêche pas l'IA d'être débile et de faire de la merde. Pourquoi les séparatistes de ça? Ah, c'est les séparatistes en dessous de toi, de Salzbourg. En vrai, ces armées sont nulles. Unissez-vous à mon armée. Et on les poutre. Soyez intelligents. Voilà, déjà on est 24 000. Ça va, là, ça y recommence à faire spawn des hommes. Ils vont finir par avoir une idée. Putain, ramenez votre gros cul vite. Il faut qu'on reste ensemble. L'IA est trop con. Faut voir ce qu'il tente. On a récupéré la province qu'il nous fallait pour la guerre. Bon là on peut gratter une paix blanche puisqu'ils tiennent plus grand chose. Là en vrai en fait j'attends la séparation de ces armées et qu'ils prennent une mauvaise décision avec. Elle n'a pas l'air d'essayer de prendre une mauvaise décision. Est-ce qu'on peut virer? Non. Là, la meilleure chose que je peux obtenir, c'est une paix blanche, sincèrement. C'est malheureux. C'est malheureux. La différence, regardez, entre l'IA ottomane et l'IA qu'on a joué depuis tout à l'heure. Ces armées restent ensemble pour pouvoir assiéger et avancer. Nous, nos armées, il y en a qui sont partis là-bas, il y en a qui sont partis à l'autre bout du monde. Ils savent, eux-mêmes ne sauraient pas expliquer pourquoi ils sont partis. Hein. Mais ils y sont partis, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, l'Autriche s'est barrée. La guerre est loose. L'IA est débile. Mais l'IA est d'une stupidité abyssale. C'est incroyable. L'IA est d'une stupidité abyssale. Est-ce que ça lui suffirait? Le problème, c'est qu'à aucun moment je peux gagner ça. C'est pas possible.
Faudrait juste que j'arrive à mettre la pression, une pression assez grande à l'ottoman pour qu'il ait plus envie de faire la guerre. Allez, bouge-toi vite, récupère Vidine avant qu'il... La guerre, elle est finie, elle est morte 10 000 fois, putain. Oh là là, mais... Oh, cette guerre, elle est perdue 2000% à cause de l'IA qui joue avec nous et qui fait n'importe quoi. C'est quand même grave. C'est quand même grave. On perd une partie parce que l'IA est idiote. Et l'IA ne veut... Parce que l'IA ne veut... En fait, n'est pas idiote. Elle ne veut pas jouer. C'est différent. Parce que l'IA, quand elle est avec vous, elle refuse de jouer correctement, en fait. Si on peut dire ça comme ça. Je pense pas avoir les moyens de le battre, là. Étant donné qu'il a pas de général, je me dis, sur un malentendu, s'il prend pas la province, on le fracasse. S'il la prend, c'est mort. De toute façon, j'ai que ça à tenter. Allez-y, battez-les. S'il vous plaît. Bougez-vous les Byzantins, je vous en supplie. Putain, je tiendrai pas 10 jours. Les Byzantins, ils mettent 20 ans à arriver. Putain de jeu codé par des enculés. Mais jamais il doit gagner la bataille. Jamais. Jamais il doit gagner cette bataille. Pff, ça m'énerve. Faut lui donner quoi? 1 milliard? Qu'est-ce qu'il veut? Tu peux te gratter pour récupérer Gallipoli, toi, déjà. Il voudrait que ça. Eh ben. Voilà. On vient de perdre une guerre. 100% à cause de l'IA alliée. Comme dans 99,99999999% des parties d'Europa Universalis, vous perdez vos guerres uniquement parce que l'IA alliée a décidé, dans un éclair de clairvoyance, bon, personne ne sait pourquoi, de ne pas combattre et juste d'assiéger. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'IA ottomane? Oh, et ben elle a cherché à nous combattre partout où elle pouvait. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'IA autrichienne? Elle a cherché juste à assiéger. Voilà pourquoi on perd la guerre. Juste à cause de ça. On perd la guerre uniquement parce que l'IA a décidé que le plus intéressant à faire dans cette guerre, c'était d'assiéger. Ça a l'air tout con, hein. Mais c'est ce qui nous fait perdre la guerre. Du coup, là, malheureusement... Il va falloir, je pense, personnellement. Au moins, on a gardé Gallipoli. Je pense que je vais essayer de lui voler Constantinople lors de la prochaine guerre. Mais ce qui est pas normal, hein, c'est quand même le nombre d'hommes qui peut sortir alors qu'il se branle les couilles depuis 20 000 ans, qu'il avance pas. Qu'il a pas un rond. Et il a pas de problème, quoi. Ça, c'est chiant, quoi. Et l'IA autrichienne est complètement, mais abyssalement nulle, mais... L'IA autrichienne est d'une nullité sans nom, quoi. Enfin, c'est pas forcément l'IA autrichienne, hein, ça aurait pu être l'IA d'un autre pays. Hein.
C'est juste l'IA en général dans ce jeu est nul. L'IA dans ce jeu en général elle est nulle parce qu'elle a pas. En fait, l'IA dans Europa Universalis c'est étrange. Hein. Elle a pas envie de jouer en fait. Pas avec le joueur en tout cas. Contre le joueur, il n'y a pas de souci. Avec le joueur, ben on sait pas pourquoi elle a pas très envie. Et personne ne saurait expliquer pourquoi. Vous pouvez regarder quasiment tous les streamers ou quoi de Europa Universalis. Étrangement, ils vont tous vous dire une seule chose identique. L'IA fait tout contre le joueur tout le temps. Qu'elle soit alliée ou ennemie. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Voilà, la seule chose intelligente que je pourrais faire, c'est déclarer la guerre à Mantoue, à Milan, faire venir l'Espagne et compagnie et les raser, quoi. Mantoue est allié à Milan et compagnie. Est-ce qu'il y a moyen que je... Il n'y a pas moyen. Pourquoi ils n'ont pas envie? Bon, l'Espagne, elle rentrera plus jamais en guerre avec moi parce qu'elle est endettée sur 30 000 générations. Putain, j'ai des alliés, ils sont endettés sur 8 000 générations. L'IA dans ce jeu est complètement débile. Profondément, quoi. Pourquoi les Anglais continuent de maintenir 30 000 mercenaires, là? Ils sont pas en guerre. Comment voulez-vous que l'IA soit pas en banqueroute? Avec des idées pareilles. Non, c'est vrai en plus, hein. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Bon, là, on a perdu une guerre. Va falloir se remettre. Donc, ce qui veut dire que pour attaquer l'Ottoman, va falloir vraiment s'y prendre autrement. Le problème, c'est qu'on peut plus déclarer la guerre à Milan, à la France ou quoi. Quoique, si la France est trop occupée dans une guerre, il y a moyen qu'on tabasse Milan sans que la France bouge trop. Ou si on s'en sort bien, de faire Mantoue vassal et de croquer une partie de Milan, ainsi de suite. Il y a moyen de faire 2-3 trucs intéressants, je pense. On va commencer à recréer une petite armée, une vraie. Parce qu'on a quand même, on a quand même mangé à 30 000 un stack wipe par 4 divisions. Alors que moi, avec la France, là, vous avez vu, à cet endroit-là, là, je sais plus, je crois que c'était cette province-là. 4000 mecs du Densley, là, se sont mis là sur nos 25 000 hommes, ils les ont tués. 15 000 pontifs et 10 000 français qui arrivent dans les mêmes conditions, il n'y a pas de stack wipe. Il y a quand même, vous allez pas me dire, il n'y a pas un petit cheat de la part d'Europa Universalis quand même pour emmerder le joueur. C'est pas possible que dans les mêmes conditions, là ça fasse pas stack wipe. Et là-bas, ça fasse stack wipe, c'est pas possible. Sauf si on change quelques lignes de code juste pour faire chier le joueur en mettant des malus quand c'est le joueur qui est dessus, quoi. Parce que ça, j'ai remarqué aussi. Moi, quand c'est moi qui joue, le stack wipe, je le prends quasiment tout le temps quand je dois le prendre. L'IA, des fois, quand il doit prendre 100% sur un stack wipe, et ben étrangement, il y a des fois, il le prend pas, on sait pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. De toute façon, c'était pas grave, on a perdu que 3 provinces. On va se refaire dans les prochains épisodes. A plus pour la suite de nos aventures avec le pape. Ciao à tous!